Fanatique malade Haïti Media on yo. Commissaire Miskaden Dine, li pas facile pour le faire fly. Oui, li te ka fait fly là longtemps, mais tellement pillé le vin nan terre kounya là, pas gen cause fait fly. Mauvais lait qui c'est Ramolien Adler, eh ben tout ça li trompé vigilance moun canapé vert parce que monsieur li pas fait tout temps nan canapé vert, monsieur c'est un ancien moun qui te habité en dans Léogane. Bral bon tout détail. Parce que commissaire Miskaden dit quitte moun k'ap parler parler mais nous même l'en descend nan tête de loi nous joine bon de loi qui ça qui lié oui effectivement te dit par rapport ensemble avec lever campé moun nan canapé vert fait t'a semblé que commissaire Miskaden t'a fait un fly mais commissaire lui même qui te gen tout détail déjà li pa fait tête chaud et yo dit même ministère justice gen tan ap kleon nez oreille commissaire Denel dit poser tempo relax ça le fait ça le fait et ben qui ça qui lié nego le Ramolien Adler mais moun nan canapé vert konnen monsieur sous nom dedè même c'est pas de jambe dit en dans les organes si ou te konnen le sous nom mauvais lait et mauvais lait ça son bon mauvais lait tout bon parce que monsieur il fut un temps Il était habité en dedans grand ravine. M'a rappelé nous commissaire Miskaden touye monsieur parce que commissaire estimé monsieur fait partie des gangs ti la pli en dedans grand ravine. Et ben qui s'est passé? Oui, monsieur li gen laissé passer pour rentrer et sortir en dedans grand ravine. Bon yo di me monsieur était habité en dans les organes, té gen kidnapping qui t'est fait. C'est monsieur par rapport avec entrer sortir qu'il gen en dedans grand ravine, famille victime là. T'es contacté on pour t'es capable faire des marches pour lui et ben c'est non même des marches là oui qui fait tête monsieur fan par commissaire Miskaden et ben forme dit nous moun ça que yo t'es kidnappé a yo t'es demandé en somme de $150,000 comprenez bien oui pour t'es capable bail pour libérer moun là mais t'es gagné $25,000 que t'es bail déjà mais t'as assemblé moun là mourir mais quand t'as pour Ramolien Adler lui même ni voulait faire quoi malgré moun n'a pas existé encore et ben les familles ont été venir apprendre ça que moun là lui mourir après vinn kidnappé yo prend $25,000 nan mais déjà et puis reste cob là Adler lui-même qui c'est un intelligent, eh bien, moun yo le pense qu'il est garé. Le Adler a dit, fon fonje pour n'baye skob la pour moun nan kalibe. Tandis que moun nan getan mouri, eh bien, famille victime là, rele commissaire Miskaden pour mettre le soukou. Parce que mouche Ramolien t'a pral passé pour l'aller Jacmel. Commissaire getan souligne nan capteur de toute conversation qui gen photo, gen image, tout bagay. Eh bien, le monsieur rive nan bloc commissaire dedans, commissaire a fon dizye monsieur met tabasco la dan. Est-ce que vous comprenez? Qui donc met bon bè a oui? A dit moun nan canapé vert mouche Ramolien Adler et que aider c'est sous nous ça qu'il connaît mais allemand des moun qui dans les organes sous qui ne connaît mouche ça sous nos mauvais là qui donc monsieur trompé vigilance moun canapé vert commissaire Miskaden fait un bon coup et coup ça li touye coucou est-ce que comprendre en tout cas j'entendais assez ça bagaille compliqué commissaire Miskaden li dit lui-même li était tête frère Tiblada li gen tout détail tout donné nan men net mais puisque en dan canapé vert monsieur prend pose koué yon 11 comprendre 11 felé li paron monsieur tant qu'on fumi et qu'on ça vivre en dan canapé vert tandis que mes chers amis son rat do cali et là il pour le important de l'opposé c'est lui-même pour pipé commissaire Miskaden font bon coup commissaire Miskaden mange tin homme là li bien manger le par rapport ensemble avec nous même qui t'es en penser c'est à yon fly que commissaire Miskaden t'a fait qui donc nous souhaiter que commissaire lui-même les continuer monter antenne bien haut parce que on est quoi commissaire Miskaden t'es supposé gon copie dans chaque département yo t'es supposé gain on copie dans chaque juridiction yo en façon pour nous être capable goumer j'en la fait là contre insécurité mais commissaire li confirmé pour nous jusqu'à date ni plan apprêté comme un cimetière pour tout bandit on quitte ça là oh on a l'autre détail qui est important par rapport avec cause insécurité non environ non mi-temps année là c'est-à-dire dans 6 premiers mois dans année 2024 là selon rapport Nations Unies gagné 3661 moun nèg exam touyé dans la République. Imaginez-nous 3661 moun mouri dans 6 premiers mois non année année pas comme même kaba. Ou imaginez ou ka gen trip. Ou imaginez ou ka gen double. Ou imaginez quand de gratis ça là, ka gen 5 fois de plus. Par rapport avec chiffre que monsieur banon là, mba ko la pou venir dans 5 fois de plus même ko li ka en triple. Est-ce que vous comprenez? Mwen kwè ça. En tout cas, ba yo compliqué. Bagay yo grave.
Parce que imaginez nous, ou quand des petits chiffres, on dit, ah, ça, un petit chiffre. Mais, l'on regarde 3000 mounes devant, c'est beaucoup, oui. En tout cas. Mais, faut me dire tout, dans ça, gagne pour avec patrouille policière, opération la police, gagne, selon des détails qui nous joignent, dans le même rapport ça, 860 mounes perdent la vie dans opération la police, dans Port-au-Prince seulement. 860 mounes. Et gagne 393 lots qui sont blessés dans des opérations policières. Et dans 393 qui blessé a, y aurait censé gagner 36 timoun qui la donne. Qui donc insécurité a fait rage, insécurité a taille banda, insécurité comprendre bien sous toute forme mes chers amis, comprendre moun pas ka sikil les pas ka évacuer avec activité yo, mais nous vle on joue kou journée jodi a pour causer ça, pour le résoudre une fois pour toutes, pour n'ap chercher un bandi pour faire remède, pour ne pas ka jeune. En parlant des bandi pour faire remède, m'a konn sou fait même constat ensemble avec moi. M'a regardé là si tout sur TikTok. Depuis m'a passé la monter sur TikTok ça m'a passé l'autre m'a monter m'a joindre l'autre petite vidéo. Ces vidéos gang seulement m'a joindre. Et vidéo gang qui m'a joindre yo, on sac drôle là. M'a regardé gang yo qui a essayé classer journaliste qui bon ak journaliste qui pas bon. Cap essayé dit mais qui journaliste a fait crédit, mais journaliste pas fait crédit. M'a comprendre rien non. Kounia sou qui base avec qui titre on chef gang qui la police a cherché capturer mon criminel pas tenté on voit bien a essayé faire classement si là et classement pour pas jamais faire non parce que une série de journalistes qui travaillent pour yo une série de journalistes qui dans forum yo une série de journalistes matin midi soir yo relé au journaliste ba au service comprendre bien il va parler de yo on voit bien il pas bien dire pas faire yo pas faire partie des bons il y a tout douce mon sort dans tête manette parce qu'il y a utile yo même nous a déjà ouvri genou parce que campagne qu'a fait sur réseau tout temps moi même calbas grandiol moi existé même pas quitter le passé on voit parce que nèg yo je tout petit vis parce que yo et TikTok là c'est une plateforme où qu'a fait promotion pi bien là-dedans ça sont ouais t'es gain Tony Mix te dit ça oui même songe on l'aime t'es jeune petit garçon dans l'hymne national de Pétionville n'était mon programme m'ta pas le faire m'ta garder comment m'était qu'a prendre DJ Nal à cette époque sur radio éclair. Eh bien, DJ Nal, dans mon moment, il t'a apprécié pour un petit jeune qui font musique. Et $500 qu'il m'a demandé de petit jeune dans chaque 3 mois, oui. Je ne j'ai dit à TikTok là, coupe bagaille ça sec, oui. Ou gon musique sans que musique a beaucoup sorti, li gete fait oui. Est-ce qu'on prend grâce à avec TikTok? Eh bien, n'y a eu temps où ils utilisent le même canal ça tout pour y faire un lobby, pour y faire une propagande, pour essayer de faire un lavage cerveau. Mais moi-même, si n'y a eu temps capturer bah, de près, je ne sais pas comment quitter le passé. Je regarde gang qui a dit, mes journalistes qui bon, mon série de journalistes qui a fait pas, je ne sais pas comprendre rien. Et tandis que mon série de gens qui travaillent pour pas jamais dénoncer les journalistes. Qu'en dénoncer politicien qui était journaliste a dénoncé journaliste par vous parce que nous même nous à théâtre tout nous enquêter nous en tout prêt n'a chercher détail pour vous elles ont bon en tant que bon monde qui attendait mais on gang adieu et puis on gagne l'autre bagarre encore ouais si tout dans diaspora le jour gain opération tout bon pour tout gang conseil de diaspora pral tellement jaï sous réseau là on étonné parce que l'amour pas pour l'autre monde c'est pour gang qui lié samdou là marqué mettre l'autre côté on quitter ça pour pas faire zin. Qui t'aime ton l'autre bagaille? Ou un business bâtiment que nèg secteur privé créé là, yo mette en sécurité sous national là et puis yo di moun yo on prend la main pour nous capable éviter gang yo à terre, on passe sous de l'hôpital, la pi bon pour nous. Mais faut gen kòb nan men. Mes amis, mon vidéo pas dire en pile. Li dire seulement une minute. M'ral moutro comment embarquer ma fête trois gros français? Comment moun yo embarquer? Moun yo pi bien comprendre mot ça si m'la gèl kon sa bito. M'ral moutro pendant moun a passé, camion gaz a entré, marchandise a entré, pas si causé non. Mais m'a demandé est-ce que bateau ça quantité moun yo ta supposé faire pour le prendre, est-ce que yon gen contrôle quantité moun nan? Et moun yo a entré sans pagé on gilet sauvetage. Si bateau ta gon un problème sous la mer, comprend bien ou bien ta gon choc et bateau ta dit et pas demander mon Dieu pardon, l'a coulé, tout moun ki an dan la mouri. Tenez bien oui. Et ça, au moins la marine haïtienne, l'État haïtien était supposé gagner contrôle. Li fait, yo quitté le fait, mais contrôle là, li était supposé gagner contrôle 5 sur 5. Et pas de cause, non? Bon, bon, je vais regarder la vidéo à bientôt. Je vais tourner par la suite pour rester détail. Yeah.
regarder. So we, l'argent fait tout là. Et bah ti comme non et gros camion ça, si gros camion gaz cap entrer pour traverser. Et yo dim c'est on c'est moun cap saute porte mais qui pral tigouavri, c'est vice versa. Et sou pral plus loin, cous la piche, m'te fait émission sur ça déjà. Et m'din ça déjà route nationale style carré bloqué, tout autant l'état haïtien pas dit un mot dans ça. L'autre c'était son noise, comprendre bien toujours là oui. Elles comprennent mais mes chers amis, si pas de gagner connivence l'état dans démagogie qu'a fait sous l'an mais en l'air pour empêcher route nationale là libre, comprennent bien oui, parce que négo font gens pour toujours gagner des blousailles cartou bombé sous national yo. Si l'état pas de complice, problème ça t'a résoudre. On va moun yo t'a gagné en trip option, soit yo prend avion, soit yo utiliser terre, soit yo utiliser l'an mer. Est-ce que vous comprenez? Mais vous mettez dans la situation qu'on y a là, son seul choix, un unique choix, li pa l'autre qui est l'an mer. Bah, yon compliqué. Nous sommes tous, et on va dire, nous sommes tous bagaille. Mais vous avez un bagaille qui est important, même si vous avez un petit peu de temps quitter le passé. Mais entre temps, pas avec ça, vous là non, mais songez ou même qui est dans la diaspora. Ou bien, nous avons besoin de vous manger pour Haïti. Si vous avez besoin de l'argent, parce que vous avez besoin de la, ou même qu'on fait déficit, ou vous êtes sans jodi là. Après, vous avez besoin de la fini, oui, ou vous êtes sans encore. Imaginez. Ou t'es pour un kit dans marché par nous plus transfert qui coûte au moins que $200. Aïe aïe aïe. Ou t'as fait gros profit, oui. Ah oui. Ou t'as vu une cobla ou même qui dans pays blanc pour enjoy tandis que moun Haïti t'a mangé 20 de boutons, oui. Ouais, kit qui est le number one plus, yo fait spécialement pour moun qui dans département l'ouest là. Aïe aïe aïe. Ouais, kit ça tellement qui bagarre là-dedans, les mains de combien, yo dit moins que des. M'dis, je vois, moins que $200. Comment moins que $200? Yo dit pour tout bon, oui. Adieu. En tout cas, relais marché à Kounia sans perdre du temps. Dans le numéro ça qui c'est plus 1-786-516-63-77. Plus 1-786-516-63-77. Oui, mais ça m'dap dit nous, oui. M'a regardé Edgar Leblanc. Parce que moi-même, mais comment lié? On conseille des blogueurs, pratiques plus intéressants, qui capable de faire et qui a marché plus sur réseau a yo coupé le lagil mais mal quand moi rete me chita moi regarder au moins 3 minutes avant causer pot de l'eau m'a regarder tout non parce que monsieur font discours qui dure plus que 30 minutes moi regarder 3 minutes avant pot de l'eau qui ça le tape dit on prend bien et puis qui fait là il prend pot de l'eau moi pas qui important Edgar Leblanc c'est pas pour la première fois la fait politique Edgar Leblanc c'est pas pour la première fois la rencontrer une série de gros autorités comme ça. C'est vrai, il était capable d'aller dans cause des Nations Unies, mais Edgar Leblanc en tant qu'un ancien sénateur ou bien président Sénat, c'est pas des rencontres, mais c'est pas fait. M'a même besoin évoquer cause et protocole là non. Mais c'est comme tout protocole oui. Bon monsieur c'est un homme sous elle pas il pas apprendre monde, c'est que c'est on va sacrer les protocoles là, c'est parce qu'il pas voulait ou il pas gagne temps pour ça. Mais c'est comme toute bagaille net, qui t'aime dit nous. Sort passé à là son bagaille que Edgar Leblanc connaît. Li planifié li fèl. Moi même m'a bal de connotation. Souvle ou bal l'autre ou ka bal plusieurs moi m'a bal de seulement comme de ces plusieurs mais ou souvle ou ka bal 3 bal ou bal 4 bal souvle. Bon mais sou kon bagay. Ouais, nan communication, gè sa rele communication gestuelle. Ouais ça Edgar Leblanc fait a, bon m'expliquer nous. Qui ça Edgar Leblanc t'a parlé? Monsieur a voué monter Zancette yo, l'a voué monter Jean-Jacques Dessalines. Monsieur parlé pour causer dette de l'indépendance. Monsieur parlé ensemble avec Donald Trump qui a maltraité haïtien. Monsieur parlé concernant président dominicain qui a maltraité haïtien matin, midi, coulant nuit dans pays voisin. Monsieur parlé une série de bagailles qui est important. Il va lui parler sur cause de sécurité. Là monsieur fin bay toute frappe ça yo. C'est français quand même, gen l'autre monde qui l'a cap traduit, l'autre yo comprendre ça cap dit a, occident comprendre bien. Hein, monsieur Garelier, même c'est deux bagailles Edgar Leblanc fait. Premier bagaille qui est pour moi même Edgar Leblanc fait. L'elfine parle, la promo, m'pa pas dit promote, bon yo promote déjà, la ovationne, si m'gare le consa, la honore zan set nou yo, li parle de dette de l'indépendance, li jete yon coup de l'eau. Premier bagay pour moi, li jete yon coup de l'eau. L'em di jete coup de l'eau, sa nan coup, si m'nou konne, fon lage de l'eau à terre pour sa comprenne, pour sa n'pa we yo, pa comprenne, pour n'gare un passage, l'autre bagay encore ke moué, nan sa Edgar Leblanc fait, misye, peut-être li ka créé yon diversion. Et ouais, li marché. Si c'est diversion qu'il crée, après fin dit tout, bah, après moun yo plus statue sou pot de l'eau, yo pas statue sou discours qui gen nom ke misye fait. Parce qu'il connaît discours ça, li ka bay traka. Li just prend pot de l'eau et puis s'attendait à pot de l'eau marché là. Li bien marché. Bon ouais, pot de l'eau ça, ti pati seulement, li fait plus views que discours Edgar Leblanc. Au moins moun ki pa gete tête crée k'ap comprendre. Mwen dou de bagay ke mwen nan pot de l'eau ça. Ça fait ou m'vin avec de bagay sa yo, Edgar Leblanc j'ai le pas pété.
Et tu vas pour un pot de l'eau qui bien rempli avant pour de l'eau arriver dans la bouche de Gétan Kagel. Nous allons comprendre. Avant pour de l'eau arriver dans la bouche Edgar Leblanc, il Gétan Kagel. Soit regardez l'image bien. Ouais, mais c'est Kembe pot de l'eau, comprenez bien oui. Et puis avant lui, il était supposé faire bouche joine pour lui pas faire. Il just comment il Kagel doit tomber. Pour ça après il prend verre, il met de l'eau dans le boue. Edgar Leblanc, moi dis ça oui. Moi-même, t'es pensé, c'était un erreur protocolaire, mais les malgardés me vérifier, me revérifier, moi confirmer ça, nous dit nous là. Ce soir, Edgar Leblanc s'allie dans cette yo, dans la grande coupe de l'eau à terre, ou bien, monsieur, qu'on dit version par rapport, ensemble avec, discours choc ça, l'ilagé, dans le cut-off Nations Unies. Et négio, si et seulement si Edgar Leblanc pas prend mail, négio qu'a assassiné. Ouais, regarde, on va y faire là. Négio qui t'a dit que c'est président tout n'a pas gagné lui. C'est celle Edgar Leblanc qui a fait un bagage comme ça, oui. Adieu. N'est-ce pas que dit, Edgar Leblanc, pour ça, je te fais là, bah, président Stunot, il faut réviser lui. Parce que Edgar Leblanc, c'est un homme qui qualifie par rapport avec ça, je te fais là, devant Nations Unies, 79e Assemblée Générale, ça. Ouais, pour t'a quitté le poste, ça, oui. Ah, ah, on ne comprend pas. Et faut monsieur veiller la même moutée, faut monsieur veiller poison, faut monsieur veiller balle tête, faut lever un tas de choses après le fin fait, discours choc si là. Mdou ce soir, li jete de l'eau encore une fois pour salier les ancêtres yo, ou bien li jete de l'eau pour créer un panique, un diversion, pour oublier ça, il te dit, mais le connaît, message à passer. Important, intéressant. Ouais, là, c'est une nègre en choubette là. L'op tandem, ou bien intérêt pour tandem. Bah, yo compliqué, bah, yo grave. Ou même qui bagne ban, qui va camper son et qui va camper aucun rendement. Femme à plein, femme à chipé, songez, c'est ultra bonne qui met cause ya. Moi, il était une fois, moi, j'étais qu'on paniqué, parfois, j'étais qu'on lagué, chéri, c'est stress, c'est travail, on chéri, c'est problème, bill, mentor, c'est bon, non, pas de gain, vrai. Mais l'aime croise, ensemble avec ultra bonne, l'entrée dans la vie, l'entrée dans la vie, foyer, actuellement là, c'est fleuri, n'a fleuri. Qui s'est passé? Rendement carbone, assuré. Rendement carbone, non, 5 sur 5. Qui sont nous-mêmes? Numéro de carbone, non, il est affiché déjà, il m'a parlé là, en bas écran, partie droite là, gardez bureau pour elle. Et puis, bon, si t'es le pour vous, c'est plus 509, pour si là, qui en Haïti ou bien qui est voisin, c'est plus 509, tenez bien, 3755 4606, international là, c'est plus 1-954-945-0835. Et quant à pour site web là, c'est www.ultrabonne.com. Ouvrez-moi, bon, en visibilité, promoter, en business, en projet quelconque pour vous, pas hésiter, écrire à travers WhatsApp, dans le numéro ça qui c'est plus 1-809-746-8120. Moins d'où, parlez-moi. C'est seulement un texte message ou bien un message local. Si vous avez le garantie, t'en vas perdre. De l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership.
Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire Général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Excellent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée Générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbe la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale.
les Nations Unies dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables, comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le Développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur
avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la Révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif: le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale,
et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de l'endemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercées contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre, afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission
bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici.